Bonsoir. De samplettes dans les retours. Désolé, faux départ, mais autant bien partir. C'est bon? Je me suis réveillé le doigt digéré par sa salive. Mélange de pathos, de patience, de puissance et d'excitation. Aucune marque sur mon pyjama, on a déchiré la toile de la tente. C'était déjà loin, à partir d'un point, une tache mauve. Il suffit d'un peu d'eau, du sel, du soleil. Sexe indigène, réflexe de crocodile quand j'ai mis mon appareil en croix. Les mollusques m'ont donné un peu de leur salive. Lorsque la dernière goutte de sperme aura coulé, j'aimerais bien voir la tête qu'elle aura, elle, si courante, et qui veut adhérer. Cryptogramme général, elle dira. Moi, je travaillais dans le transport. On était des millions. Mais les avions sont tous tombés. C'est sorti aujourd'hui. Parmi la foule, nouvelle constitution. Je voudrais dire un grand merci aux reptiles pour mon équilibre mental. Merci aux méduses pour l'ensemble des liquides qui parcourent mon corps et pour cette incroyable tendresse que j'ai parfois quand je dors. Et puis la bise à l'ensemble des mammifères. De la 64 à l'Olympia. Et Piaf, mais putain, mais remettez pas la même robe. À l'époque, c'était déjà démodé. Il faut recouler.
Espèce de Mireille Mathieu de maintenant. Espèce de Mireille Mathieu des années 2000. La relève est prise. La relève est reprise. Les conservateurs détruisent tout. Pour que ça prenne de la gueule. Et l'âne belge, Marcel Afroy, parce qu'il est mort. Tu veux des nouvelles? Après un gros Alzheimer, Madeleine se chie dessus. Ce sont tes enfants qui la changent. Ah, bravo. À un moment ou un autre, la langue que je parle sera une langue morte. Des homosexuels se mangent les muscles. Ils se font des signaux avec de petits sifflets qui cachent dans leurs poches. Ils disent chez eux qu'ils partent au cinéma, à la chasse ou à la pêche. Mais en fait, ils vont chercher du champignon. Et pas n'importe quelle sorte. Du champignon, agroforesterie, quoi que de plus en plus. Parce qu'il y a une sorte de migration des germes, de l'humus jusqu'au pubis. C'est pas la vérole, non. Ils ont leur blanc, verbe de pétrole. Y'a du ciel d'aurore boréale qui crache chaque victoire dans le ciel. Ils sortent d'une journée de travail usé, stressé, fatigué. Alors il faut le calme, l'apaisement d'un bois musqué, pour donner l'espace de détendre leur case. Au mois d'avril, c'est ce phénomène qui provoque le mouvement, la frise du temps. Et le petit manège tourne en araigne indépendant. Et le petit manège tourne en araigne indépendant. Et le petit manège tourne en araigne indépendant. Dans ce bois abandonné, des homosexuels se mangent les poches. Ils se font des signaux avec de petits sifflets qui cachent dans leurs muscles. Et des chiseaux qui partent dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Des cuisses et de l'abdomen. Je mène alors la vue d'un pétrolier qui chirait des cascades de fioul. Allez, rame, les caprices ont ramassé la machine à vapeur. Le moteur éclame à tout feu.
de la joie et des embouteillages. L'argent mais ça en rappelle de trois hélicoptères et sème la terreur parmi les pauvres. Et cherche en creusant dans la terre si on n'aurait pas encore plus pauvre. Mais l'argent leur mord les fesses, ils s'en rendent compte à chaque fois qu'ils se baissent. Alors ils creusent plus fort jusqu'à déterrer les morts. Que l'argent rachète pas cher, habillés et coiffés, ils sont rendus à plus mort. Sur ceux qui courent sur les passages piétons avant que quelques-unes de leurs cellules décollent pour de beau. Sur les billets sont des soldats commandés par le chiffre en tête. On les tape pour en avoir un peu. Les plus malins découpent l'intérieur, ils mettent leurs yeux, se font une paille avec la barre des soldes, se prennent en photo. Le pourcentage de réduction sera le taux de matière grasse, sera le prix de ta construction. J'ai travaillé dans l'usine où ils élèvent les peaux. On leur donnait à manger le gras bleu des liposuccés. Ce gras, on le faisait rassurer une semaine ou deux. Puis on donnait le cahier en préparation à la vache naine, la chef du personnel. Elle avait pas de poitrine. Il faut la développer en vivant quelques phases de cette gélatine. Avec des gros seins et des talons aiguilles, nous on pouvait plus lui dire non. J'ai connu une vieille parce qu'elle avait son estomac coupé et qu'il devait prendre antiride. Elle habitait Taritz. Elle avait laissé sa jeunesse sur un rocher. Que le soleil brûlait et toutes les attaques disaient à travers le journal. Oh la porte. Le pétrole se change en gras au niveau des cuisses et de la femelle. J'ai vu la vache naine, elle m'a donné la permission de sortir le soir avec moi. On allait manger au restaurant. Elle m'a impressionné, elle m'a impressionné. À chaque fois qu'elle avalait, j'ai vu un de ses muscles s'allumer. Il y avait quelque chose qui voulait sortir. Elle se mettait de l'aloe vera dans le nez pour s'empêcher de rire. Pendant que j'expliquais comment le gras on pouvait l'offrir en buvant un vin rayé par des traits qui commençaient à s'élargir jusqu'à déborder sur mes mains. Et je ressemblais à un marin parce que ça ne va pas de boire trop de vin. Elle appelait ses copines et racontait dans sa langue de vache et se moquait. Dans la tête, j'ai trouvé son couplet. On peut son couplet. Merci. Il faudra un peu plus d'instru, Christian, sur le plateau.
Christian, j'ai plus le micro. Ah. Christian, ça fait toujours du bien que sur la faute de quelqu'un d'autre. Dans tes yeux, on ne sait jamais où se mettre. Peut-être au fond à droite, en attendant que tu finisses de déballer ton sac. J'espère que tu te régales avec cette main qui appuie sur ma colonne vertébrale. Je suis pas tellement certain de la qualité de ton massage. De tes paupières, je vois il semble tout un service de chirurgie prêt à se mettre au travail. Demande à ouvrir et voilà que tu m'interpelles. Sur la route de Saint-Jour, il y a de plus en plus d'obstacles. Dans tes yeux, il y a ma silhouette et il manque un bras. Ce que tu n'as jamais voulu reconnaître existe et c'est comme ça. Merci. J'espère qu'il y a plus de retour là. Fais gaffe parce que c'est plus fort. Ah, vous entendez tout? Ah, d'accord. La merde. Bon. Ouais, tout va bien. Hein. Cette semaine, beaucoup de gens connus sont morts. On doit être à un tournant. Sur le bord de la route, les arbres sont pleins de sang, fluorescents. Les lignes blanches sont effacées. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont crachés, lamentablement. Sur le bord de la route, on peut voir le reste d'un micro-cravate. Le ruban d'une gymnaste, la sacoche d'un député. Des millions de voitures passent devant ce virage historique. Ils s'arrêtent faire du gasoil. En tenant la canne, ils se disent: j'ai rien vu venir.
un mec cuit très sévère avec des hallucinations olfactives. Je prends la vie comme une pierre et me lave avec de la lessive. Pour oublier ce que j'ai dit hier, mais il faut sortir. Les lignes calculées par les géomètres sont en diagonale. Je marche la tête penchée pour faire la correction et pas voir le bien en mal. Mais le mal l'emporte sans concession. Aujourd'hui, je crois que c'est pas une bonne session. Je me sens marron à l'intérieur avec du gris dans le canon RL. Heureusement, je suis pas tout seul. T'as les amis avec chaque nuance de gris et qui bavent leur malheur. Oh, le mage comme si c'était du beurre. La gueule pleine d'âme, t'as force d'avoir trop ri, les doigts dans la bouche. J'étais hilar avec les narines qui tremblent. Et chaque pustule est un microbe qui a pris souche. On est des mouches sur la langue des autres, les lendemains cuites passés ensemble. Sévère avec des hallucinations olfactives. Je prends la vie comme une pierre et me lave avec de la lessive pour oublier ce que j'ai dit hier. Mais il faut sortir. Un homme cuit très sévère avec des hallucinations olfactives. Je prends la vie comme une pierre et me lave avec de la lessive pour oublier ce que j'ai dit hier. Mais il faut sortir. Il faut manger, on va au fast-food, avaler un sandwich sucré, et la vie sera plus douce. J'entends un tramway qui raye un miroir. J'entends des tramways qui raient un miroir dans un balai. Ils font des accidents. Les passagers n'avaient pas de ceinture et se font rire la figure. Ils crient comme des chauves-souris. On installe des plots luminescents qui brillent pour tout le monde. Ils servent de point de rencontre à un groupe de patineurs allemands. Je revois les lunettes d'hier comme les lunettes du bébé lui à l'envers. Et vois que cette histoire n'a rien à voir. Je passe du maximum au zéro par un tunnel rempli de flacons. Une bordelle dans un verre d'eau. C'est pas fini. Et il y a la rue qui gronde. Qu'est-ce que le trottoir est dur. Ça c'est les mecs de la voirie, les potes des géomètres. J'aurais aimé qu'ils se trompent. C'est sûr, ils nous regardent avec leurs jumelles. Prie pour qu'on se casse la gueule. Alors on fait des fucks, on doit des immeubles. On les a bombés. Qu'est-ce qu'ils sont mal élevés. S'ils savaient que c'est comme un pansement pour se soigner. Derrière mes yeux, regarde. La tête est faite de cases. On déménage des pièces parce que ça sent mauvais dedans. On est assis au salon. Je tire sur ma cigarette, l'anus tremblant. Et mon nez me dit plus de fumée. Je continue à le rincer quand même. Et la fumée coule comme d'une fontaine. C'est la petite marche qui déséquilibre tout le système. Problème, une chasse de cœur pressée cette nuit. Crème de jour, liquide l'après-midi. Dans ma chair, c'est plus moi qui conduis. Cuit très sévère, avec des hallucinations olfactives. Je prends la vie comme une pierre et me lave les lèvres avec de la lessive pour oublier ce que j'ai dit hier. Alors mes cuits très sévère, avec des hallucinations olfactives. Je prends la vie comme une pierre et me lave les lèvres avec de la lessive pour oublier ce que j'ai dit hier. Mais il faut sortir. Merci. Rictus et aérosol.
J'aime de banlieue, même bouffe de cheveux, même grimace, mais à l'envers, leur visage s'annule. Quand le drame se moque de la comédie, même bouffe de cheveux, un filet de barbe descend, 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 et se pose entre deux autobloquants. Le mobilier en bas fond sous la chaleur, designer, ramène ton calepin. Tu sais toi, pour le rêve américain. Boubon-pain, 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 boubon-pain. CRS, chef de banlieue. Jeune de banlieue, M grimace, une à l'endroit, une autre dans l'autre sens, une avec pas de chance. Avec ses habitants, on monte les dents devant un miroir posé en plein carrefour. Je pousse les gens pour être le premier, parce que mon comportement n'est pas très bon. Oui, je sais, les nerfs me tirent les bras en l'air. Je travaille avec les jambes plus grandes devant le miroir. Les danseurs se succèdent à la barre. Tiens encore bien fort quand je me couche. Dans mes mains je vois toute ma journée. Un rêve de skieur omnibulé par les portes. Il faut vivre, ouais, je l'ai dénoncé. Celui qui croit encore conduire sa vie est un chauffard. Il faut le tabasser, il faut le refoutre le visage à l'envers. Pour qu'il se taise. On nous dirige vers le Moyen-Âge et ses dents pourries. Je me suis dit que c'est pour nous tirer vers le haut. Je m'avance pour voir et là, ils ont créé une zone de progrès. Le sol est chaud et nous porte sans effort vers les bouches de métro. Les semaines ne pèsent plus, elles se décollent. Puis se recolle sur un calendrier qu'on déroule à l'infini. L'escalator descend dans un hall recouvert de papier journal. À la une, les photos du nouveau quartier, avec le nouveau stade, avec le nouveau ciel, avec le nouveau sucre, avec le nouveau son, le nouveau sol, avec les nouveaux muscles, avec les nouveaux toits, les nouvelles fois, avec les nouveaux mois, les nouvelles fêtes, avec les nouvelles têtes. Encore.
Un bouton plein d'air se lève. Je pense qu'il a quelque chose à voir avec l'enfer. On court dans un gymnase éclairé par des néons jaunis. Dehors, les graffitis pâlissent, même sur les murs les plus faciles. Ben, pour notre sécurité, la nuit se déroulera le jour. Nos pellicules s'entendent pour tomber ensemble et pas nous inquiéter. Je m'inquiète pas, je vais au cinéma. J'y cherche quelqu'un que je trouverai peut-être. Je vois les autres et ils m'énervent. On laissera la place à quoi Serge et j'espère que vous nous réserverez un accueil des plus chaleureux. Plus fort, la bande, plus fort, plus fort. Je suis allé en ville chercher du travail avec une compilation dans mon Walkman et j'écoutais tout ça sur le trajet. Je me suis dit que je pourrais une fois moi aussi éjaculer au travail ou tout simplement y aller. Pour venir chez moi, la liquide dans mes mains, ce liquide qui fait pousser jeter dans mon salon et je donnerai à boire à mon portier, il sera rond comme un camin. Celui qui porte le chinois dans un magasin, frappe aussi de l'eau dans mon salon pour me faire chuter la pression. J'ai mis toutes mes choses de mon côté, et la rue, au milieu, avec ma veste bleue. Je sors de chez moi avec un mental patient, mis en logo par un bouc millimétré. C'est la première fois que je le porte. Avant je m'étais en feu, mais j'étais dégueulé au moment de signer un contrat. Et j'ai pris la porte, il voulait plus de moi. Sur le chemin de la gare, au petit matin, je croise un groupe d'adolescents qui veillent devant avec des gazelles. Sa pilule sous les aisselles, ils parlent des champignons hallucinogènes, de savoir comment on les aime. On écoute celui qui a essayé, c'est la première leçon de la journée. Ils sont tout tordus par les hormones, on leur donne tout à faim. Un petit 5 cm à côté d'un grand homme de 80, de face de rat. Ils sont bêtes, c'est les meilleurs pots. Plus tard, on verra. Sur des millions d'ados qui tremblent parce qu'une fille a caressé leur chambre. Ils veulent retourner dans leur chambre. Elle a caressé leur chambre. Elle chante, ils chantent des chansons. Demain, j'ai pris ma voix, je l'ai enregistrée et ça donne des envies aux jambons. L'agence m'a dit bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah moi je vais très bien, je serre la main très fort pour montrer que je veux de l'or. Que désirez-vous?
je cherche un peu de vin à mettre dans mon eau. Je cherche un petit peu de verre pour que le rayon en devienne plus beau. J'ai dit ouais, mais je perds tout ce que je peux demander de me faire. Dans les articles sport, à des gros qui soufflent. Ouais, ça c'est clair. Apporter une assiette à des gens qui bouffent. Ça ne fait pas trop compliqué. Je parle anglais. Ouais, je dirais, on a bien fait sortir. Je m'arrête en 2010 pour me tourner en paix. Je suis pris dans le piège de celui qui cherche du travail. Je suis pris dans la neige. J'ai mon vélo qui déraille. Alors j'ai pris le métro avec ma lutis. Je me verte et les gens me regardent. Oh mais qui c'est ce clochard? S'il vous plaît mesdames et messieurs, moi je suis sérieux. Je sens du travail, alors je me fais plaisir. Vous inquiétez pas, après je grave. Je ne veux pas me coucher comme ça. Je ne veux pas me coucher comme ça. Vous inquiétez pas. Je ne veux pas me coucher comme ça. Je vais rentrer chez moi. Je vais m'installer confortablement à la cuisine. Et je vais tartiner. J'aimerais peut-être la télé. En tout cas, je vais manger. Merci, bonne soirée.